Salut à tous et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on a... presque rien préparé, sinon ce ne serait pas de l'impro en fait. Je me nomme Ise Brassel et je serai votre présentatrice du jour. Et j'ai avec moi pour improviser et bien rigoler Hicham El Amouri. Oh, mais lol, trolloli! Mais oui, trollilol! Et toi, Manu Hinebert, trollilol? Trollilol. Hicham et moi avons changé d'âme. Waouh! Voilà. Bienvenue dans ce 15e épisode de la saison 5 de On n'a rien préparé. Oui! Comme vous voyez, nous démarrons cette nouvelle année 2024 sur les chapeaux de roue. Et en bonne compagnie, s'il vous plaît, parce que nous ne sommes pas seuls. Non, effectivement. Oh mon Dieu, j'ai des flashbacks. Cette personne est déjà venue dans le passé. Yes, girl. L'aurez-vous deviné ? Attendez, je vous donne quelques indices. Une liste non exhaustive, bien entendu. C'est un improvisateur professionnel. De moult troupes et de moult ligues. Il est co-créateur du Catch ta mère. Il fait de l'impro avec depuis moi. Une quinzaine d'années. Avec moi. Il a démarré à l'improvocation. Avec moi. Et c'est son grand troisième retour sur On n'a rien préparé. Troisième et demi. Troisième et demi. C'est un live aussi. C'est Thierry Marscal. Bonjour. Ouh. Bonsoir. Peut-être si vous écoutez ça ce soir. Oh. Wow. On sent tout de suite l'expérience. On sent l'expérience. Ah, ouais. Émérite. Bon matin. Invité émérite. Est-ce que tu vas bien, Titi? Ça va. Oui, très bien. Et toi? Mais oui, ça va. Écoute, je suis très excitée parce qu'il paraît que tu... Pour introduire non seulement ta personne, il paraît que tu as une grande nouvelle et une grande chose... que je ne connais pas encore, que tu vas me présenter. Tu vas nous parler de Unity aujourd'hui. Ah oui, ok. Tu te souviens ce dont on a parlé avant de lancer l'enregistrement? Oui, mais c'était présenté étrangement. Je mets toujours du velours et du rouge dans tout ce que je dis. Excellent. Oui, parce que... En plus de faire partie de plein de troupes et de plein de projets, je fais également partie de UNIT ou Unité, qui est l'Union d'improvisation théâtrale, qui est en fait la fédération d'improvisation théâtrale professionnelle, qui a déjà réussi à faire reconnaître l'improvisation théâtrale au niveau politique. Ça y est, c'est dans les textes de loi. Un combat de longue haleine. Enfin, Oui. Et puis, ça y est, on a même des représentants en chambre de concertation. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que là, c'est du politique, c'est chiant. Mais c'est quand même dingue. C'est... Merci. C'est Manu a retrouvé son jouet habituel. Non, mais c'est quand même, en vrai, c'est assez ouf. Bah, c'est important, en tout cas, pour le secteur de l'improvisation. Donc voilà. Ça fait, mais oui, ça fait pardon. Pour la première fois en un très longtemps, une fédération et un théâtre ont une aide structurelle pendant 5 ans de la fédération Wallonie Bruxelles secteur. Pour l'improvisation. Il me semble que c'est 3. Il y a le théâtre Jardin Passion à un mur, non? Ah, c'est vrai que Jardin Passion fait aussi de l'impro, mais pas que. Mais c'est pas. Oui, c'est ça. Les subsides de Jardin Passion ne sont pas dédiés à l'improvisation. Là, il y a vraiment deux structures qui ont reçu des subsides pour l'improvisation. Et ça, c'est aussi un beau... Première historique, même. Je pense qu'on peut le dire en Belgique. C'est dingo. Absolument. Et même probablement en Europe. Ah ouais, ouais. En Europe. Mm-hmm. Comme vous voyez, le monde de l'improvisation belge évolue dans un bon sens. On espère que cela continuera. Eh oui, je suis tout à l'heure. Eh bien, chers auditeurs... Manu est trop fatiguée pour parler, alors elle fait des blagues avec les pads. On ne peut pas toujours gagner. Chers auditeurs, à part un petit point actualité sur l'improvisation, on n'a rien préparé. Qu'est-ce que c'est? C'est un podcast où nous improvisons directement trois improvisations avec des petites contraintes et amusements et amuse-bouches offerts par les... belle personne que nous sommes, pour la belle personne que voici. Et n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à nous soutenir, nous mettre des étoiles, du flouze dans les yeux, dans les poches et dans la fame sur hashtag onarp. Du flouze dans la fame. Je commence à avoir de moins en moins d'endroits, je veux dire, politiquement corrects dans lesquels mettre du flouze. Les autres, c'est plus possible. Hicham, il y a une
première improvisation qu'on aimerait faire et je pense que tu la présentes. Exactement, exactement. Et en fait, nous allons un peu rompre la tradition. Pour être honnête. Quoi ? Parce que c'est une improvisation qu'on fait souvent quand on n'a pas d'invité, mais aujourd'hui, j'ai décidé de la faire avec un invité. Wow. Et il va s'agir d'une commentateur sportif. Donc, Titi et Manu, par exemple, vont jouer une improvisation où elles vont être les commentateurs sportifs d'une action tout à fait banale du quotidien, mais elles vont y mettre les formes comme un événement sportif avec un enjeu important, majeur, mondial. Tout ça. Oui, avec la verve mondiale, sportif mondial, d'accord, c'est majeur. Pas annulaire, non, vraiment le majeur, ok. Non. C'est long. C'est on dirait moi qui entends une blague. Le matin. C'est rigolo de voir d'autres gens que moi être déçus par les blagues des gens. Je suis pas déçue, je suis surprise. Ou un peu discrètement atterré. L'action que vous allez commenter, c'est boire une soupe. Ah, bien sûr. C'est quotidien et banal, mais Dieu sait qu'il. Boire une soupe avec le majeur. Non. Avec le majeur ou le majeur. Bref, vous arrêtez. Vous me déconcentrez. Vous êtes preste ? Oui. Excellent. Et c'est parti ! Et bonjour à tous, chers téléspectateurs. Nous voici chez Jules. Jules qui a l'habitude de déjeuner chez lui. Oui. Oui, Jules qui a révolutionné les réseaux sociaux avec ses petits déj à la maize. Voilà, pourquoi est-ce qu'il a voulu abrévier maison en maize, je n'ai toujours pas compris, mais enfin, c'est son choix. Bien sûr. Et aujourd'hui nous sommes là pour un live avec le président des États-Unis qui regarde. Donc, tout à fait. Hello, Mr. President. Hello. Et happy birthday, même si ce n'est pas maintenant. Toujours le mot pour rire, Jacques. Toujours le mot pour rire. Mais oh là là. Jules est entré. Ah ben ça y est, il est rentré dans sa cuisine. Oh. Il se dirige... Ah, c'est étonnant. D'habitude, il se dirige vers la boîte à pain, mais là, il se dirige... Oh non. Vers le micro-ondes ? Vers le micro-ondes. Est-ce qu'il aurait déjà fait une soupière qu'il réchaufferait ? Non. Oh, il nous fait le coup de 2017. Oh non. Oh là là, mais c'est incroyable. Oui, effectivement. Effectivement, il y a un bol avec d'une soupe. J'ai l'impression que c'est du céleri. Avec un peu de... Il y aurait une cuillère de boursin dedans ? Est-ce que c'est... Oh là là, ça, c'est le boursin du matin. Là. Le boursin du matin pour alléger vos petits déjeuners, hein. Mais sans placement de produit, évidemment. Attendez, excusez-moi de vous interrompre, mais, pardon. Mais il a mis une cuillère dans le bol et il referme la porte du micro-ondes. Est-ce qu'il va chauffer son bol avec la cuillère en métal dedans ? Oui, il va prendre le supraconducteur, mais... Oh mon Dieu, il a appuyé sur play. Oh là là, des arcs électriques commencent à partir dans tous les sens. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe ? Mon Dieu. Mr. President, what are you doing ? Oh mon Dieu. Non. J'ai l'impression que ça s'est arrêté. Il ouvre. Une fumée épaisse sort du micro-ondes et... Qu'y a-t-il ? Oh ! La soupe a l'air chaude. Mais elle a l'air à une température parfaite. Il s'approche. Il retire les mains. Le bol est peut-être un peu chaud, car souvent... Il saisit le bol uniquement avec ses majeurs ? Oh ! Ce sont les deux majeurs. Oh mon Dieu ! Il apporte le bol sur la table et ça y est, il prend la cuillère, la main à sa bouche... Oh. Et une grande lampée. Mais on a dépassé le milliard de followers. Ok. Ah là là. C'était un événement politique majeur. Oui, exactement. Il y avait la présidente des États-Unis. Mais porter un bol avec des majeurs, mais vous êtes malade. Mais surtout, Titi. Alors, pour la clarté, pour les auditeuristes, Titi a mimé le fait de soulever un objet avec les doigts, mais il s'est gouré de doigts. Il a dit majeur et a fait le geste avec les index parce que clairement, en fait, ergonomiquement, aucun objet ne tiendra en deux majeurs. Alors, en tout cas, un bol de soupe chaude. Alors, je vais préciser pourquoi. En fait, c'est parce que si j'avais utilisé les deux majeurs, vous auriez pu mal le prendre. Je le prends très bien. Je pense que Manu, vu l'orientation, je pense que tu aurais insulté mon linge qui est en train de sécher par là. Et de l'autre côté, Manu. Mais moi, je ne me serais pas senti attaqué personnellement. Oh, bah, en bougeant pour aller chercher peut-être. Enfin, voilà. Arrêtez, vous la triggerez. Oui, vraiment beaucoup. En tout cas, je vois que Titi ne peut pas s'empêcher de faire des manips en son impro.
C'est très beau. Même quand il joue un présentateur qui lui-même n'est pas censé faire de manip, il les fait quand même. Ils sont dans leur box, ils font ce qu'ils veulent, d'accord ? C'est vrai. Je trouve ils sont à poil. Oh, ce serait drôle, t'imagines ? Le gars, il... Oh, et, tu vois, il fait la passe et, oui, c'est ça. Et il mime tout ce qu'il entend. Oui, c'est ça. Quand il lui tire le maillot, il lui tire le maillot. Ta cuisine serait sans dessus-dessous. Oui, parce que spoiler, on enregistre plus ou moins dans la cuisine d'Hicham. C'est un salon cuisine. Ah pardon, okay. dans le loft d'Hicham. C'est une cuisine à l'américaine. Appartement était anciennement une pharmacie, c'est presque un ancien espace industriel. Donc nous enregistrons dans la pharmacie, voilà. Hicham. Avec à notre gauche quelque chose qui pourrait être un passe-plat et qui est un dépose-objet. Eh bien, jeune gens, nous allons passer à la deuxième improvisation. Ok. Je tiens à signaler que Manu a de très belles chaussettes aussi. Voilà. Voilà. Nous le saurons. La deuxième improvisation est présentée par moi. Les chaussettes qui sont un cadeau d'Iseu. Oh, oh, c'est les poneys, alors. Aïe. Je vois lesquelles c'est. Oui, je vois. C'est les plus voilà. belles chaussettes du monde. Pardon de t'interrompre. Non, non, mais c'est pas grave, c'est que la troisième fois. Mais c'est pour des chaussettes, alors c'est ok. Chers auditeurs, il va y avoir une impro bruitage live. Et à la grande surprise générale, ce n'est pas Hicham El Amouri qui fait toujours les bruitages live qui fera les bruitages live. Non, c'est Manu Hennebert qui le fera. Wow. Grand applaudissement. Bravo. Et elle a l'air enthousiaste. Et... est-ce que ce seront des bruitages... Enfin, c'est un rôle auriculaire, du coup. Oui, je pense. Hein. Merci. Ce sera tellement bien, ça se trouvera dans l'annulaire. Oh, allez oh, oh. En tout cas, Hicham, je lève mon pouce. Là, on a fait le tour, on peut. Voilà. Bon Dieu. Arrêtez, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'un coup de main. Allez. Tu en fais un doigt trop. Oh, est-ce qu'on peut passer à l'improvisation, s'il vous plaît ? C'est déjà de l'improvisation. Une impro pour laquelle il faudra de l'huile de coude. Oh. C'est où le point, point, point ? Oh là là. On leur donne la main, ils prennent le bras. Nous allons passer à l'impro. Merde. L'impro jouée par Hicham et Titi est bruitée par Manu. Attention, il faut un mot et ce sera digestion. Oh. J'ai faim. Ça vient. Voilà. Ping. Alors. J'ai faim. Oui, ça vient. Je prends des couverts. Voilà. Alors, fourchette ou cuillère. D'accord. Cuillère. Allez. Hop. Voilà. Bon appétit. C'était bon. Ok. Et t'as tout mangé? Bah oui, j'avais faim. c'est oui. Et je n'ai pas eu à manger. Bah, tu m'as donné tout le bol. Comment je pouvais savoir que c'était pas pour moi ? Bah, je sais pas, moi. Je me suis dit que, comme on partage un lieu de vie, on allait partager le repas. Mais voilà, je sais pas si tu te rends compte, c'est la première fois qu'on prend le repas ensemble. Tu veux que je te fasse une tartine ? Oui. Tiens, la tartine. Je sais pas ce que tu as mis dedans, mais j'adore. J'ai mis un peu de tartinade et puis au-dessus du jambon et au-dessus non, du... Arrête. Quoi ? Je m'en fous de ce qu'il y a dedans. Ah oui ? Par l'amour. Tu as remarqué ? Oui. En même temps, on habite ici ensemble depuis... J'espère que les gens comprendront ce que c'était. Je n'ai fait que suivre ce qu'on me disait de faire. Tu sais que tu peux être...
motrice de, d'initiative aussi. Eh bien, oui. Tu ne dépasses. Ah, vraiment, au pour service. Sa défense, vous vouliez vraiment du sexe. Mais vous, oh, vous pensiez à ça. Oh. Non, non, c'était un sac de sport. Ils allaient. Mais oui. Faire un jogging. Il a sorti sa raquette. Ah, moi, j'y. Ah, oui, pardon. C'est moi la mal lunée, excusez-moi. Et Titi qui a un peu honte. Oui. Je crois qu'il ne s'attendait pas à ce que je le suive. Voilà. C'est moi qui ai commencé. Tout à fait, non. C'est vrai. Ah là là. Vous êtes gêné ? Ça va, modérément. Non, non. Non, ça va, en vrai. C'est vrai qu'elle me sentit un blanc de la... Oups. Je crois que la fin de l'impro devrait être maintenant. Oui. J'ai tellement, vraiment, je t'admire beaucoup, Manu, parce que je pourrais pas faire ce que tu as fait. Merci. Vraiment faire ça à la volée, à la volette, comme ça, alors que c'est censé être l'autre, là, qui fait ce genre de truc très très bien. Et toi, tu fais, ok, bah, je vais faire une tartine, un déshabillement, un sac de sport, pardon. Non, c'est trop pour moi. Moi, merci. Le sac de sport, je fais voûte. Oh. Et on se débrouille avec c'est un voilà. Beau sac de sport. Ce qui est rigolo, c'est que Titi a été très didactique. Il lui a vraiment fait tous les gestes qu'il fallait briquer. Ouais, ouais. Oui, oui. Donc c'était. Moi, je trouverais ça pire, tu vois, parce que je pense que je pourrais pas keep up avec tout ce qu'il me demande. Je ferais coin, coin, bim, ah. Ça serait une autre impro, c'est oui. Je sais, un sac de sport qui fait coin, coin. Moi, c'est... je vous propose pour la prochaine fois que vous la faites. Que ça soit Iseu qui bruit. J'ai déjà essayé, c'est très burlesque. Oui. Bah, c'est très bien. Eh ben, je serai encore burlesque. Alors, on a eu la chose la plus proche qui en est, c'est-à-dire que c'était Léa qui avait fait ça. Mmh. Léa ah Bracel. Oui, c'est, ouais. C'est vrai que. C'était plus. Pas ça, son Halloween ? C'était pas des bruitages, son Halloween ? Parce qu'en gros, on a fait oui, un épisode Halloween à la vrai. Saison passée où c'était des impros qu'on détestait. Mmh. Et je crois qu'Iseu a eu un bruitage live à c'est faire. C'est fort. C'est là qu'on sent que j'écoute beaucoup votre podcast. Il y a 5 saisons. Oui. Tout un panel à écouter chez vous sur hashtag onarp. 40 épisodes par log. Un truc comme ça. Et aujourd'hui, ce n'est pas terminé. Nous avons encore une improvisation dans notre pochette. Alors, Manu, quelle improvisation notre sur ta pochette, pochette surprise. Eh bien, moi, je vais vous proposer une deux mondes. Yes. Donc, une deux mondes, c'est un classique du podcast. Il y a deux personnages qui viennent d'univers différents qui vont jouer ensemble. C'est Hicham et Titi. Et moi pardon, Iseu et Titi, excusez-moi. C'est Iseu et c'est Titi. Le bordel et le bordel. Voilà, c'est Iseu et Titi qui vont la jouer. Bonjour, je suis le bordel. Moi aussi. Thierry, oui. Tu joueras un personnage qui vient de l'univers de Cyrano de Bergerac. Oh. Ah, je suis jaloux. L'univers donc de mousquetaire fringant, d'un homme qui a beaucoup de fierté. D'Alexandrin. Et qui, même moralement a de la... assez D'Alexandrin. Élégant, c'est vrai, sache. Tu vois, exactement. On a réussi à t'obliger à rimer. Quoi. Et alors, c'est une pièce en alexandrin. Et oui, j'ai fait rentrer la rime par la fenêtre. Je ne t'impose pas l'alexandrin pas pour l'impro qui suit tant que... Et donc, ça rime. Donc il y a le panache. On peut se partager les alexandrins. D'accord, donc parce que tu dis que je viens de l'univers de Cyrano, oui. Mais là tu décris Cyrano lui-même. Est-ce que je peux être Raguenaud, par exemple ? Mais bien sûr, voilà. C'est ce que je dis, c'est un univers oui, de panache, d'accord. Un univers de... mon Dieu, qu'ai-je fait ? Et Iseu, de ton côté, tu joueras un personnage issu de la franchise Alien. Donc c'est de l'horreur en space opéra okay, avec des équipages d'humains dans un vaisseau très majoritairement géré par un ordinateur rétrofuturiste, c'est-à-dire qui fait bip bip boop et où il y a une espèce de vieux interface qui fait quand ils affichent des trucs et une créature bizarre qui de temps en temps pop de nulle part et commence à tuer des gens. Pas tout à fait de nulle part, puisqu'en général, ça pop du torse d'un des protagonistes. Ou d'une planète ou d'un vaisseau qu'on n'aurait pas dû explorer. Mais bref, voilà, donc je vais vous donner un mot. Oui. Votre mot sera tourner. Tourner avec un personnage issu de Cyrano de Bergerac et un personnage issu d'Alien. Attention, ça commence maintenant. Mais que vois-je ? Ne bouge plus. C'est à moi que vous vous adressez en ces mots, en ces termes ? Oh oui, je vous ai déjà vu. Je vous ai déjà vu. Vous étiez sur le marché la fois dernière. Oh, si vous m'avez déjà vu, vous savez qu'il ne faut pas me menacer avec ce genre d'objet tout à fait déplacé. Écoute, connard, je vais menacer bien ce que je veux. Je pense que t'es infecté et il faudra une preuve pour que je te tire pas dessus, ok ? Moi, connard ?
C'est, excusez-moi, mais c'est un peu court, jeune dame. On aurait bien pu dire autre chose. Peut-être petit barbu, maigrichon et bougeotant. Et que pensez-vous de bavard ? Allez, mets-toi à terre ! Écoutez, sans vouloir vous offenser, chling, voici que le moment on échange et l'ombrette chez moi. Oh mon Dieu, mon arme. Oui, je viens de découper votre arme du futur, qu'il me semble désagréable et vous me semblez toute. Madame Lambert. Oui. Wilson s'est réveillé. Il s'est réveillé. Oui. Allons-y, vous me suivez. Vous ne sortez pas de mon champ de vision. Venez. C'est qui, vous type? Vous allez déjà c'est... arrêter de me donner des ordres et j'ai très envie de voir ce monsieur Lambert Wilson. Allons-y. Pardon. Il est peut-être affecté. Je ne lui fais pas confiance. Oh, Wilson. Madame Lambert. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, tes jours sont comptés, mais il faut que je sache. Est-ce que tu as déjà vu cet homme? Mon ventre lui parle. Mon Dieu, c'était lui! Vous là, avec votre épée! Je vous crois maintenant, défendez-nous! En garde, créature du diable! Schlink, schlack! Schlack! Et voilà comment on se débarrasse d'un alien. Il ne faut pas 4 épisodes de film beaucoup trop longs, enfin. Ok. Connard, bavard, mais efficace. Waouh. Connard, bavard, mais efficace. Bien joué. On est d'accord, là, tu parles de son perso, pas de... Bien sûr. Qui joue le perso. Ah non, si. Ok, eh bien, je suis ravi d'être venu. La vie de vie, pipou. Tu feras attention, il y a de la sueur sous tes bras. C'est vrai. Oh shit, oui. Ah oui, on le voit. Oh. À ton pull. Ne fais pas des cœurs en grand. Si, attends, comme ça tout le monde verra les océans sous mes aisselles. C'est beau, l'océan sous mes aisselles. L'océan sous mes aisselles. Les bracelles. Oh, le redis. Oh. Mazel. L'océan sous mes bracelles. Ouais. I was yesterday years old quand j'ai appris qu'en fait, enfin quand j'ai remarqué que Bracelles et Bruxelles, c'est vraiment pas loin. Oh, wow. Et j'ai manqué des jeux de mots pendant si longtemps. C'est vrai. Mm. Et du coup, ça t'ouvre un champ de possible. Mais oui, hein, un nom de scène. The Bruxelles. tu sais quel nom trouver pour ta future carrière de stand-up. Oh non. Ah, oui. j'ai rien dit. The Bruxelles, c'est super. Eh bien, les gens, c'est déjà la fin des impros. Oh, c'est incroyable. Oh. I know. Oh. Mais ce n'est pas la fin. This is not the end, my friend, because il reste... Le coup de cœur de l'invité. Titi, ah oui, c'est vrai. As-tu un coup de cœur à nous proposer aujourd'hui? Oui, tout à fait. Le coup de cœur, ça va être une autrice de bande dessinée et de livres pour enfants. Genre des livres pour bébés en cartonné. L'autrice s'appelle Anouk Ricard et elle a écrit, entre autres, Le Petit Manuel pour aller au lit, qui est un livre pour bébés en carton, tout ça. Des bébés en origami. Non, le livre. Pratique. Je crois qu'il fallait accoucher et tout. Non, et en fait, cette autrice, elle fait plein de BD très absurdes. Elle a eu un prix à Angoulême l'année passée pour Animan. Et en fait, dans ses livres pour enfants, on retrouve le même côté absurde, mais vraiment adapté pour enfants et pour bébés. Et c'est un livre que je lis. Pour l'instant, tous les soirs à ma fille. Et donc, heureusement que c'est vraiment très chouette parce qu'on se lasse très, très vite en tant que parent des livres qu'on lit. Et donc, il y a quand même une double lecture très, très chouette dans le dessin et dans le texte qui est assez chouette. Et donc, je ne m'ennuie pas encore trop avec. Et ça fait genre 2 semaines que je la lis tous les soirs, 1 à 2 fois. Donc, voilà. Anouk Ricard, je recommande tout ce qu'elle a fait. Merci beaucoup, Titi. Merci.
Merci. Et là, par contre, ça commence à vraiment s'approcher de la fin, là. Oh non. Oh. Ah si. No. Oh. Mais il y a une bonne nouvelle. Ah oui. Dans ah, deux oui semaines, tu reviens. Oh, je reviens. Oh. Oui. Trop bien. Le soir, le matin, on ne sait pas. Oh bah ça, c'est. Je pense que ça dépend de l'heure à laquelle les auditeuristes. Ah, c'est bien trouvé. Est-ce que tu penses que certains l'écoutent la nuit pendant des insomnies? Des insomnies. Peut-être. Oh. Eh bien, bonne nuit à vous. Ceux qui voilà mettent des playlists entières et qui s'endorment dedans. Ils font leur... Attends, je suis où maintenant? Mais justement, profitons de ce moment pour dire au revoir à nos auditeurs avec un bonne nuit général. Attention. Bonne nuit.